Eh bien salut à tous, c'est Fally Thomas pour AndroidGames.fr et je voulais faire une petite vidéo de comparaison pour comparer les graphismes de Modern Combat 5 entre iOS et Android. Donc pour ça j'ai deux appareils, j'ai un Nexus 5 et un iPhone 5S qui sont normalement deux appareils qui affichent les meilleurs graphismes sur chacun de leurs supports, en tout cas pour ce jeu. Et donc pour ça j'ai pris des captures d'écran sur les deux appareils au même endroit dans le jeu. Donc ce sont les images que vous voyez défiler en ce moment même. Donc alors, ce que j'ai noté, c'est que pour tout ce qui est modélisation, des mains, des personnages, tout ce qui est décor, texture, profondeur de champ, tout ça, c'est exactement pareil. Le niveau de détail est identique sur les deux supports. L'écran Full HD du Nexus 5 ne lui profite pas pour afficher plus de détails, même en qualité maximale. Je pense que Gameloft a préféré laisser le jeu en simple HD pour simplifier l'optimisation du jeu sur un maximum d'appareils sous Android. Pour tout ce qui est effet de lumière, les couleurs, tout ça aussi, c'est identique, il n'y a pas de différence sur ce point-là. La seule différence que j'ai notée, c'est au niveau des ombres qui sont plus accentuées sur l'iPhone 5S. Donc, comme vous pouvez le voir, surtout au niveau de l'arme et un peu moins sur les décors. Donc c'est un effet sympathique qui donne un peu plus de profondeur au jeu. J'aurais peut-être préféré avoir aussi cet effet sur mon Nexus 5. Bon après j'ai essayé le jeu des deux côtés, si j'avais pas comparé les captures d'écran, honnêtement je ne sais pas si j'aurais vu la différence, si j'aurais fait attention je ne sais pas. En tout cas voilà, c'est la seule différence que j'ai notée. J'espère que cette vidéo vous a informé, si vous pouvez regarder les captures d'écran une à une si vous voulez faire pause sur la vidéo. Je mettrai la capture d'écran dans un article sur le site, je mettrai le lien de l'article dans la vidéo quand ça sera fait. Et puis bah sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, à laisser un commentaire aussi pour donner votre avis sur les graphismes des deux supports. Et puis bah à la prochaine.